Mes chers abonnés, je vous retrouve ce soir pour une vidéo Diamond Painting. Alors, c'est des nouveaux Diamond Painting qui sont sortis chez Action. Sur un groupe Facebook de Diamond Painting, j'ai vu qu'il y en avait 5 ou 6 apparemment. Mais moi, dans mon Action, il n'y en avait que 4 sur les 6. Donc, j'en ai pris que 3. J'ai pris les 3 qui me plaisaient. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais vous baisser sur mes mains. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, on va faire ça tranquillement. Alors, le premier que j'ai pris, c'est donc, c'est tout des Diamond Painting œuvres d'art, en fait. C'est des peintures de grands peintres. Donc, le premier que j'ai pris, c'est celui-là. Je vous montrerai après en détail. C'est donc Mona Lisa, la Joconde. Mona Lisa. La Joconde de Léonard de Vinci. Après, j'ai pris la laitière de Johannes Vermeer. Ou Vermeer, je ne sais pas comment on prononce. Et donc, celui-là. Celui-là, il est connu parce que, bon, il y a la pub, vous savez, pour le produit laitier, là, qui a repris cette image, hein, là, dans ses pubs. Et il y a la jeune fille à la perle. Toujours de Johannes Vergner. Voilà. Donc, c'est des 40 x 60. Ils sont à 5,49 €, je crois. Attendez, je vérifie ça. Alors, Diamond Painting 40 x 60, 5,49 € un Diamond Painting. Voilà. Donc, je vais commencer. Ben, vu que j'ai celui-là, là. Le premier. Alors, je vous montre tout ça. Voilà, je vous montre tout. Comme d'habitude. Bon, le seul truc qui est dommage à Action, c'est que c'est tous des Diamond Painting avec des protections en plastique dessus. C'est pas le papier blanc comme dans d'autres Diamond Painting. Alors, ça va faire un petit peu de bruit, désolé, mais bon. Alors. Donc, dedans, à chaque fois, vous avez une feuille comme ça qui est en plusieurs langues, plus aussi en français pour vous expliquer, qui reprend la photo de la toile. Donc, ça, c'est la jeune fille à la perle, les diamants qu'il y a dedans et le nombre de couleurs. Donc là, il y a 1, 2, 3, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Il y a 32 couleurs. Voilà. Donc, vous voyez là, la partie là, hein, si vous avez jamais fait de diamond painting, la partie là, c'est en français. Donc, ça vous explique, comment il faut faire. Donc, les diamants, je vais vous montrer après. Comme d'habitude, dans tous les diamants painting, ben, il y a le petit kit classique, hein. Donc, avec la barquette, le stylet et la colle. Alors, maintenant, la toile. Franchement, elles sont super belles, un hein, portrait de femme, là. Je vais voir si j'arrive à reculer encore un petit peu mon ordi. Vous montrer ça. Hop là, je bouge. Je suis désolée, c'est le temps de. Donc, là, vous la voyez bien. Je pense que là, vous allez bien la voir. Donc, c'est là, c'est format portrait. C'est tout format portrait. Alors, il y a ces trois-là. Donc, comme je vous ai dit, la deuxième que. L'autre que j'ai vu dans mon action, c'était. Je ne sais pas de quel peintre c'était, mais c'était. Des fleurs avec deux ou trois papillons dessus. Celle-là, ça m'a pas vraiment plu, donc je dis je la prends pas. Et c'est tout ce qu'il y avait. Donc, on va regarder si ça colle bien. Et les symboles, ça a l'air d'être assez, d'être nickel. Alors, au niveau
colle, ben, je sais pas si vous voyez, ça colle nickel. Donc, toujours enlever les côtés là pour que aplatir plus ou moins la toile. Ça c'est bien parce qu'en plus au mois de janvier, là, Angélique de la chaîne Angélique Diamond Painting, elle fait des défis Diamond Painting avec portrait de femme. Là au mois de janvier, c'est portrait de femme. Gorgeous, Kokeshi, fée. Dedans on avait mis, je crois, et il y a une autre catégorie. Donc bah, ça ira pour. Ça sera nickel pour les défis. Hein. Alors celle-là, il y a pas mal de noir, hein, pas mal de couleurs sombres. Donc, les symboles, est-ce qu'on les voit correctement? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, les symboles, franchement, ouais, c'est nickel. J'espère que vous allez bien voir. Je sais pas trop comment vous tournez ça. Je sais pas si vous allez voir là, mais les symboles, on les voit super bien. Donc franchement, je vous dis, les symboles, c'est bon, c'est nickel. On va voir les diamants maintenant. Je vais la mettre derrière celle-là. Alors, donc, ça va faire un petit peu de bruit, mais bon, là, c'est obligé d'ouvrir. C'est pour voir s'il y a aussi des diamants spéciaux avec, mais je ne pense pas, ça m'étonnerait beaucoup. Je sais qu'il y en a certains, ils n'aiment pas le bruit là de l'ouverture des sachets, mais bon. Ça fait partie d'un unboxing de Diamond Painting. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais bon, les sachets, ben, il y a beaucoup de noir, hein, puisque le portrait, je sais pas si vous avez vu, il est sur du noir. Là, il y a au moins déjà 5 ou 6 sachets de noir, hein. Même plus. Je vais vous dire ça, le numéro 4, c'était le noir, dans le Diamond Painting. Donc, je vais regarder moi à l'endroit. Chez moi, ça serait mieux. Ça, c'est le 5. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets. Non, 7 sachets de noir. Après, il n'y a pas de diamants de diamants spéciaux. C'est tous des diamants ronds, comme d'habitude, hein, normaux. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Il y a du bleu, il y a du marron, donc du noir. Des couleurs chères pour la peau, hein. Du marron. Voilà, du vert un peu de bordeaux, de marron. Marron clair, marron foncé, du couleur comme ça, beige. Beige clair. J'espère que vous allez voir. Ça m'embête un petit peu si vous ne voyez pas correctement. Mais pour vous filmer ça, c'est pas évident. Déjà, c'est clair que je vais m'amuser là parce qu'il y a pas mal de noir. Donc c'est bien marron.
La deuxième, donc là, les tiers. Donc, pareil, toujours 1,40 x 60. Je n'ai pas vérifié sur la toile s'il y avait marqué 40 x 60 ou s'il y avait marqué un peu plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, tu t'ouvres où, toi? Ce côté. Donc, ils sont en ce moment, là, dans les actions en ce moment. Donc, si ça vous intéresse, hein, vous n'hésitez pas. Je vais réussir à le remettre dedans. C'est pas grave, je mettrai directement dans la boîte. Quand tu veux pas s'ouvrir, hein, comme il faut, ben, il s'ouvre pas comme il faut, bien sûr. Là, il veut pas. Bon, déjà celui-là, c'est un peu plus clair, les couleurs, quand même, par rapport à l'autre. Hein. Donc, toujours pareil, l'affiche avec le dessin en grand. Le nombre de couleurs à côté avec les symboles. Donc celui-là, il y a combien de couleurs? Alors 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 couleurs. Un petit papier de le kit habituel, hein, tout simple, hein, basique. Les diamants qu'on va regarder après. Et la toile. Oula, celui-là, il est un petit peu plié. Hein. J'aime pas trop les têtes celui-là. Mais bon, bien. Bien enroulé de nouveau après. Ça devrait faire. Voilà, j'espère que vous allez voir. Vous n'aurez pas trop de reflets. Non, ça devrait être bon comme ça. Voilà, donc la laitière. De Johannes Werner. Donc toujours pareil, on va vérifier. Ça colle nickel. Alors moi je vous conseille quand vous l'avez, c'est de soulever les quatre côtés là comme ça, toujours un petit peu. Comme ça le diamond painting il se met un petit peu plus en place, la toile. Et c'est un petit peu plus simple après. Pour les ranger ou quoi que ce soit. Parce que là, c'est un petit peu... Bon, là, on dirait qu'il y a des rivières, mais il n'y en a pas, en fait. Hein. C'est juste le film plastique qui s'est mis comme ça sur la toile. Alors, certains disent que ça, ça forme des rivières après, mais perso, moi, j'ai déjà eu des toiles de Chaction et d'autre part, avec le film plastique transparent dessus, avec des... comme des formes de rivières là-dessus. Mais c'était juste le plastique qui était mal placé. Ça m'a rien fait sur la toile après. Hein. J'ai pas eu de soucis. Alors les symboles, ben comme l'autre, c'est nickel. Franchement, on les voit super bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, après, il faut quand même une tablette lumineuse au cas où si vous faites ça le soir ou une lampe réfléchissante, une lampe hein, au-dessus de votre ouvrage. Surtout à partir d'un certain âge, hein, parce que la vue est baisse, malheureusement. Donc voilà, le deuxième. Je vous le montre. On va regarder les diamants. Le temps de trouver l'ouverture. Alors, dans certaines actions, dans l'action de ma ville, enfin le premier où j'ai été, parce qu'il y en a deux, pas loin l'un de l'autre, il n'y avait que ces quatre toiles, comme je vous ai dit,
Diamond Painting de Noël là, avec les Pères Noël, il y en avait encore deux. Il en restait encore deux, mais les deux qui restaient ne me plaisaient pas. Donc j'ai pas repris. Donc voilà, je ne peux pas tout vous montrer, mais donc pas mal de bleu foncé, du rouge bordeaux, du marron. Voilà, toujours les roses. Des roses. Je sais pas si vous voyez, j'espère que oui. Je regarderai ça après parce que il y a quand même des reflets. Je vous avance un petit peu, je vais relever un peu plus. Il n'y a pas de diamants spéciaux, a priori, je pense pas. Donc là, il y a du bleu plus clair, du bleu marine, du bleu un peu plus foncé, du jaune, du rose, du noir. Mais bon, il y en a moins que l'autre, hein, quand même. Moins que le que la jeune fille à la perle. Et voilà, déjà pour ces diamants-là. Le seul truc qui est dommage, je trouve, sur ces fiches-là d'action, c'est qu'il y a, toutes les couleurs qui sont marquées, comme je vous ai montré sur la fiche, mais il n'y a pas le nombre de sachets. Ils disent pas, par exemple, que pour la couleur noire, il faut tant de sachets, que pour la couleur comme ça, il faut tant de sachets, alors que ça, ça se fait sur... sur d'autres sites, quand vous commandez des toiles, des fois vous avez le nombre exact de sachets qu'il vous faut. Mais là, bon, dans chez Action, ça vous l'avez pas. J'essaie de faire le moins de trucs possible, hein, pour vous. Voilà, ça c'est la laitière. Je le mets là, je vais le ranger après. Et donc le dernier, la Joconde, Mona Lisa, de Léonard de Vinci. Toujours un 40x60, et je casse la boîte en 1000 morceaux, moi, bien sûr. Au lieu d'enlever le scotch, hein, ce serait peut-être plus simple. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Ah là là, c'est pas grave. Ah, ben, je m'attendais à avoir pas mal de noir dans celle-là, ben, tout compté, il n'y en aura pas tant que ça non plus. Ça me rassure. Hop, toujours pareil, les diamants là. Toujours comme les autres, hein, le kit simple, hein, donc la barquette, le stylet. Et la gomme, tout ça, ça va être envoyé à Angélique, les stylets, comme ça elle pourra faire encore des stylets en personnalisés en pâte fimo. Donc pareil, voilà, la fiche avec le descriptif des couleurs, là, l'explication en français. Donc c'est là, il y a moins de couleurs, il y a... Alors, 8 couleurs, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 couleurs. Et j'ai pris un autre kit de Diamond Painting, mais ça, je vais pas vous le montrer parce que je dois l'envoyer à quelqu'un. C'est une surprise, donc je peux pas le montrer là. Ouh, celui-là, par contre, j'aime pas. Il est quand même pas mal plié là dans la boîte. J'espère que ça ne va pas poser de soucis. Il ne va pas avoir de rivière. Ça, j'aime pas trop là. Là, il n'est pas très bien rangé dans sa boîte. Hein. C'est pas grave, on va se débrouiller. Le tout, c'est surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait de. Bah, sur la boîte, il est beaucoup plus foncé, le... Je sais pas si vous voyez, sur la boîte, c'est vachement foncé, l'illustration. Et tout qu'on fait sur la toile, non, ça va. C'est beaucoup plus clair. Donc, voilà.
Oh ben toujours pareil comme l'autre, les symboles, c'est nickel. On les voit bien. Je vais essayer de vous montrer ça. Ça colle bien. La caméra, elle est où? Elle est là. J'espère que vous allez voir. Mais bon, moi, vous savez que chaque fois que j'achète quelque chose, je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas. Donc, si je vous dis que c'est bien, vous pouvez me faire confiance. C'est que c'est bien. Parce que je vois pas l'intérêt de raconter des conneries aux abonnés pour que les abonnés achètent et après soient déçus, quoi. Là-dessus, je suis honnête. Si je dois dire que c'est nul, c'est nul. Je le dirai. Si je dois dire que c'est bien, je le dirai aussi. Donc là, vous avez vu, je l'ai dit au début, dans la boîte, elle était un peu... C'est un peu plié là, c'est un peu mal plié, c'est un peu mal rangé dans la boîte. Mais bon, après, je vais les mettre à plat. Je vais mettre des livres par-dessus, comme ça, ça sera bon, il n'y aura pas de soucis. Déjà, rien qu'en faisant comme ça, en soulevant les coins, ça aide un petit peu, ça remet un petit peu la toile en place. Voilà, ça c'est la troisième. Hop, c'est pratique, j'ai le canapé derrière. Donc, celle-là. Bon, bah à peu près comme avant, hein, vous avez des couleurs claires, un peu rose, rose pâle, rose clair. Donc ça va être pour faire la peau, je pense. Des marrons de ce style. Marron un peu bordeaux, du gris. Je vous montre pas tout, ouais, mais bon, je vous montre les principaux. Un peu de noir, un peu de... Du marron bordeaux, marron foncé, marron clair, un peu de gris. Mais celui-là, déjà, il y a moins de diamants, ça c'est bien aussi. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Alors, je range ça et comme ça, je peux faire la fin de la vidéo. Donc, celui-là, c'est Mona Lisa. Hop. Ça, on va le plier, on va le mettre avec les diamants, ça sera fait. Voilà, comme ça c'est rangé avec. Parce que ça, je les garde. Après, je vais m'acheter un cahier de projet Diamond Painting. Comme ça, je vais coller ça dedans. Vous voyez, il y en a deux là. À côté, je suis en train de les oublier. Si je les perds, cela, ça ira pas. Je pourrais pas faire la toile. Bon, en général, avec les toiles de chez Action, niveau des diamants, il y en a assez. Il y en a toujours assez, j'ai jamais eu de soucis avec l'étoile de chez Action. Je vous reprends là. Des fois, ça peut être un peu juste pour certaines couleurs. Mais en général, franchement, c'est pas la première fois que j'achète des toiles Diamond Painting chez Action. Et j'ai jamais eu de soucis niveau diamant. Il y avait toujours la quantité exacte. Ou même des fois un peu plus. Une fois, je sais, sur un Diamond Painting, mais ça date. Pour une couleur, il n'y avait pas assez. Mais vu que c'est des diamants ronds, j'ai pris des diamants d'une autre toile qui me restait et ça a fait l'affaire.
Voilà mes loulous, donc je vous ai présenté ces trois toiles. Ils sont donc, comme je vous ai dit, en ce moment dans les actions. Ça fait à peu près une semaine, je crois, qu'ils sont sortis parce que moi, le post que j'avais vu sur Facebook, il datait de la semaine dernière, il me semble, au milieu de la semaine dernière. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas. Ils sont donc à 5,46 euros, je vous ai dit, un diamond painting. Je vous redis le prix. 5,49 euros. Ah, voilà. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!